Alors, je m'appelle Armelle Muzelek-Guidic. Je suis membre de la Kevren Alré, qui est un ensemble de musique, de danse et de tradition du pays d'Auray. Mon rôle est de coordonner le pôle artistique de la Kevren Alré. Alors, je dirais d'abord Loïs Repars, puisque c'est lui qui m'a appris à danser, c'est lui qui m'a appris le breton, c'est lui qui m'a conduit dans sa 404 à faire du collectage il y a très très longtemps, donc je ne peux que penser à lui et aussi à ses enfants hein, qui ont continué à perpétuer la tradition. Et puis autrement, une femme bien sûr, puisqu'en Bretagne il y en a beaucoup, je dirais Angela Duval. Alors, c'est très très compliqué parce qu'il y en a énormément, mais je vais rester quand même sur un artiste qui en tout cas m'a marqué, a dû marquer pas mal de gens de ma génération, c'est Alan Stivell, parce que je crois qu'il nous a quand même décomplexés, dans le sens où il n'a pas toujours été facile d'être breton, de se revendiquer breton, d'être fier de sa culture, et je crois qu'il a ouvert le chemin. Le Cercle Doré, c'est une trentaine de danseurs hein, qui travaillent régulièrement, toutes les semaines, comme à peu près, je pense, tous les cercles de Bretagne. Ils ont à cœur de travailler beaucoup la tradition du pays d'Auray, de travailler aussi beaucoup le costume, de chercher la cohérence. Je dirais spectacle scénique, parce que c'est peut-être là qu'on peut le plus s'exprimer. Mon envie aussi de rentrer dans un cercle, je n'oublie pas, c'est étant spectatrice de défilé aux fêtes de Cornouailles, où j'ai senti une émotion, et ça ne s'explique pas. Donc c'est peut-être, je pense que toutes ces formes-là ont leur raison d'être pour toucher au cœur les gens. Eh bien, aujourd'hui, on est concurrents, mais on est tous embarqués, soudés. On forme en fait une chaîne, hein, comme souvent dans la danse bretonne. Et on se soutient tous les uns les autres et on soutient tous aussi notre culture et l'image de la Bretagne. Donc voilà, les compétitions ne sont que là pour nous pousser un petit peu de l'avant, mais plus que jamais, on est ensemble.